Ariel Henry sous route pour couler Atma. L'homme est pété en dedans Conseil Sécurité Nations Unies. Après pays États-Unis, qui c'est Major John, résolution sur intervention militaire en Haïti, décide lui-même retirer col dans le dossier. Pas un pays en dedans Assemblée Générale Nations Unies qui a même paré pour voyer troupes militaires Haïti. Ou pral konnen nan émission jodi an la, comportement la Russie ak la Chine genyen, li pa gen anyen pou wè avec décision diplomatique, mais plutôt de pays sa yo profite ba Haïti monnaie pièce yo nan choix politique, nan choix diplomatique Haïti fait en dedans Assemblée Générale Nations Unies. Bien rete la, m pral bon détail. Police nationale d'Haïti la gen coucou rouge derrière population. C'est pas seulement derrière bandits, non, tendez bien. Et bien, on communique, yon mette de yon la, yon averti tout propriété. Machine, moto, kay, qui yon même gen problème avec bandits pour yon presse à le pote plainte. Sinon, la police ak la justice ap servi avec yon. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour m'avec aujourd'hui dans l'émission Paul, mon éditorial avec Yannick. Ensemble, nous pral gade différents points sa yon kap domine actualité. Nous pral fè le point sou yon, pral jwenn bon jan information, bon jan analyse pour edo comprendre sa kap passe dans moment là de la République, puisque Ariel Henry a tout gouvernement la tête chaud couvert lamp, y a cherché est-ce que dans bloc régional là pas gagné pays qui t'a décidé qui t'a paré pour aider dans une intervention militaire étranger en Haïti. C'est toute information ça à quand pilote nous pral partager jeudi dans l'émission. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Dossier intervention militaire étrangère en Haïti, li mérite pour nous garder sous différents angles. Pas oublier, gouvernement Ariel Henry qui pas en mesure yo même seul pour yo résoudre problème insécurité pour yo faire face avec violence criminelle qui gagne dedans pays pour yo finir avec question gang nan pour toute gang kaba yo te décidé pour une résolution côté que gouvernement Ariel Henry bay Ariel plein pouvoir pour mander international là yo intervention militaire pour venir aider Haïti pour venir retirer pays en bas griffe gang bandi cap terroriser population. Mais décision ça t'a pral diviser société civile, t'a pral diviser population. Gen moun nan population qui favorable, qui d'accord pour une intervention militaire étrangère en Haïti, gen moun qui pas d'accord. Même gen genye des hommes politiques qui d'accord, genye qui pas d'accord. Ça vient soulever au niveau international un grand débat. Ça lever un grand débat dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a un ensemble de pays, tant que la Chine avec la Russie. À chaque intervention yo fait, yo tenu compte de aspiration qui gagne dans la société haïtienne. Non? Position différents acteurs politiques en Haïti, position parti dans la société civile, non? Réaction populaire qui gagne, moun qui dit yo pas d'accord avec intervention militaire, yo pas d'accord pour blanc vin fouler sol pays yon l'autre fois encore. Et deux pays ça yo, la Russie avec la Chine, yo toujours tenu compte de réaction populaire en Haïti avant yo décider en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais pas oublier, États-Unis avec la Chine, yo même, yo te gen tan tap travay sous différentes résolutions qui gen pouwe avec sécurité en Haïti. C'est une des raisons nous avons pendant semaine qui sont passé à la une résolution et 2653 si je ne me trompe pas, yo t'a pral voter en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a gagné pour obligation pour sanctionner tout chef gang, tout commanditaire, tout monde qui a financé qui en relation à gang en dedans pays. Mais automatiquement résolution en fin voter, qu'il y a population peuple haïtien commencer à questionner. Nous commençons à poser des questions pour nous connaître. Est-ce que résolution ça, son résolution qui a une certaine viabilité? Est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle capote les résultats? Tout le monde.
puisque nous connaissons chef gang yo pas voyager, ces âmes qui rentrent vinn joine yo en Haïti, qui est moun sa yo qui commanditaire, qui est moun sa yo qui blanchi l'argent, est-ce que banque en Haïti yo pas participé dans action blanchiment l'argent, est-ce que banque en Haïti yo, est-ce que différents actionnaires banque moun sa yo qui gen banque en Haïti gros commerçant yo, est-ce que yo même tout yo pas participé dans faire blanchiment l'argent, est-ce que yo pas participé dans cycle, dans cercle ça qui kembe insécurité, qui kembe violence en Haïti, est-ce que décision ça yo, est-ce que yo pral toucher yo tout? On peut mon a posé question. Mais derrière toute question ça, vérité c'est qui ça lié en dedans Conseil de sécurité Nations Unies, gagné gros lobby qu'a fait pour te gagner effectivement un déploiement troupes en Haïti parce que c'est ça Ariel Henry mandé, c'est ça gouvernement Ariel Henry a cherché et là nous constater effectivement ou regardez situation qui gagne en Haïti là côté majorité ambassade consulat yo retiré tout personnel yo retiré tout monde qui t'a travaillé tout ressortissant yo voyé ou aller yo dit yo met prend congé yo met prend vacances y a relé encore c'est parce que situation en Haïti en insécurité en lien soutenable yo estimé citoyen ou concitoyen pays yo en danger ou préféré ou faire ou aller et entre-temps y a gardé qui moyen possible pour aider Haïti résoudre problème insécurité. Mais étant donné ces États-Unis qui major joint initiative là, c'est lui même qui vient avec résolution pour gagner déploiement troupe en Haïti. Yo te attend yo l'autre pays qui en dedans Conseil sécurité Nations Unies, yo te attend yo que États-Unis t'a pral mettre force militaire pas t'a pral mettre soldats pas militaire la kayli à la disposition de Haïti à la disposition de résolution ça que li prend initiative pour le présenter yo le yo gade États-Unis pété coquin États-Unis commencer à faire retrait la pral l'école li douce moyen logistique li préparer pour le bail li préparer pour le fournir armes fournir chablende si possible l'autre matériel mettre formation disponible adéquat pour militaire yo mais li pas envoyer troupes en Haïti dans moment là. Pour qui ça, nous connaissons les élections qui a midterm qui a préparé aux États-Unis. Donc, il n'est pas favorable dans ce moment-là pour les États-Unis, pour Maison Blanche, t'as dû faire déploiement de troupes en Haïti. Pour nous, l'heure le Canada. Le Canada lui-même, il y a le problème. Mais nous ne pouvons pas oublier, après, Ariel a décidé de faire demande officielle, il y a un lobby qui a fait, il y a une propagande qui a fait en Haïti là. Yo te getan a mette information de yo et on paquet journal de série de médias ou ka fè confiance te commencé à brûler information sa yo comme quoi États-Unis et Canada c'est deux principaux pays qui pral voye troupes en Haïti c'est ça information yo te c'est ça information primature yo te c'est ça information te ka fè confiance sous fiable yo te ye. Puisque c'est en dedans même primature information ça t'a sorti c'est lobby yo t'a fait c'est propagande yo t'a fait distraction yo t'a fait masturbation pour faire population accepter faire nous croire que États-Unis et Canada favorable pour gagner troupes militaires qui rentrent en Haïti mais qu'on y a qui ça nous États-Unis à l'école yo fait retrait nous Canada à l'école bon Brésil qui toujours favorable pour aider Haïti dans question intervention militaire et Brésil d'où lui-même dans moment Jair Bolsonaro c'est élection la préparer la caillou il y a trop problèmes pas à gérer yo pas dans bagaille ça la France depuis le résolution commencé parler en dedans Conseil de sécurité Nations Unies de gétant dit lui-même la camper loin bagaille ça li pas dans question voyer troupes militaires en Haïti. Donc, États-Unis lui-même, pendant tout déroulement, pendant toute réunion qu'a fait, concertation qu'a fait, yo te attend pour gagner l'autre pays qui vini. Qui vient proposer tête yo qui paraît pour aider Haïti dans dossier intervention militaire là pour paraît venir aider Haïti dans dossier insécurité violence criminelle gang qui gagne dans le pays c'est rete États-Unis rete li wè pa gen youn nan pays membre assemblée générale Nations Unies qui levé ti droit yo en l'air qui dit yo paraît pour aider Haïti alors que chaque jour on a parlé nous toujours tande pays ami d'Haïti. Oui, ce sont les pays amis d'Haïti. Nous avons coopération bilatérale, nous avons coopération multilatérale, etc. Et pourtant, dans pareille situation, il y a un pays qui levait le petit doigt. Déjà, la Chine avec la Russie, ils ont même été en proposition. Ils n'ont pas dit défavorable, mais cependant, ils ont fait connaître que situation intervention militaire là li mérité pour le garder pour nous garder avec loup pour nous kembel avec pincette. Premier bagage, la Chine te dit lui-même par rapport avec intervention militaire là, est-ce que intervention ça si toutefois l'état fait, est-ce que le papa joindre
embuscade, est-ce que le pape a joué une réticence population? Est-ce que le peuple haïtien pas pral camper devant pour riposter, pour faire front avec militaire? Ça, son question. Automatiquement, la Chine soulève. Donc, on est déjà Ariel, pas aucune légitimité. Nous connaissons Ariel, c'est une premier ministre qui passe dans le pays qui est bien populaire. Une autorité, nous avons tête l'État qui est bien populaire. Donc, automatiquement, la Chine vient avec point ça. Tout pays a questionné, tout pays a posé question, parce que yon pas pral vle pour yon voye force militaire en Haïti, pour le vingé laisser frapper, pour le vingé guerre civile, pour le vingé génocide qui fait sous responsabilité yon. Tout moun frikap, tout moun apre kapo yon. États-Unis jusqu'à présent ton, même yon green pays, décidé pour venir de Haïti, décidé pour faire partie de troupes militaires qui a gagné pour rentrer en Haïti. L'hypocouel. Yon l'autre constat. Si nous bien gardé, n'a pas même président Louis Abinader qui t'ai érigé la porte-parole de l'île, qui t'ai toujours fait plaidoyer pour Haïti et sécurité la Kaili, n'a pas suivi pour nous Abinader n'a pas proposé République Dominicaine, n'a pas proposé force la Kaili. Donc une situation ça vient créer un échec à résolution à États-Unis te décide prendre. À résolution États-Unis prend initiative pour demander déploiement force militaire en Haïti. Mais pour l'autre bagage qui est extrêmement important. Ou doué qu'on est. Au niveau international, là, nous senti que résolution est sur route pour le vrai échec. Mais pas oublier, c'est pas seulement au niveau international Haïti lié avec le pays, au niveau régional tout Haïti lié avec le pays. Nous gagnons là déjà, gagnons demande, gagnons rencontre, gagnons négociation, gagnons pour parler qu'a fait pour qui raison, pour regarder. Au niveau de bloc régional, là, parce que Haïti fait partie de l'OEA, organisation État américain, est-ce que pas de pays, est-ce que pas de troupes disponibles, l'autre pays qui a mis à la disposition de forces militaires, ça qui a gagné pour déployer en Haïti? Et pas oublier, dans le pays régional, ça n'a pas vraiment gagné un pays comme si qui a une grande force militaire, que Haïti a espéré, qui a aidé à combattre la sécurité, à combattre la gang. Là, nous déjà, ouais, question d'intervention militaire, là, li sous route pour le bois l'huile, li sous route pour le bois gaz. Quand il y a un bagage, il veut partager avec nous. Avant de rentrer dans le point géostratégique, la Russie avec la Chine, à taper Haïti dans ce moment-là. Moi-même, position, il était clair. Moi-même, j'ai une position pour une intervention militaire en Haïti. Pour qui ça? Je reprends parce que nous vivons une situation difficile en Haïti là. Nous vivons une situation qui est catastrophique en Haïti là. Question, c'est volonté. Est-ce que nous avons une volonté au niveau de haut état-major de la police, au niveau du CSPN, pour rétablir la sécurité en Haïti? Est-ce que nous avons un dirigeant nous? Est-ce que nous, autorité nous, les gens qui ont des postes de responsabilité, je dis, dans notre pays, est-ce que nous, les motivés, les gens volonté pour résoudre le problème de sécurité en Haïti? Chaque jour, nous avons mouru, chaque jour, nous avons pris le balmaron, chaque jour, kidnapping a fait, chaque jour, il y a violé les femmes actives, chaque jour, il y a assassiné les gens dans le pays, et zone ça, yo existé depuis pas mal de temps, mais nous pas jamais une disposition qui prend en dedans PNH, pas bon côté la police, pas bon côté la primature, pour résoudre problème de sécurité, pour résoudre phénomène gang. Gardez jeune facile pour Ariel demander intervention militaire. Même genre, yon te ka fait choix pour demander une coopération bilatérale, multilatérale avec l'autre pays pour aider Haïti, soit nan ba yon matériel, prêter yon matériel, etc. Pour venir combattre phénomène insécurité, grand banditisme. Yon pa fèl. Yon gen raison yon pour ça sûrement. Mais bon, l'autre bagay qui est extrêmement important pour nous, pour nous comprendre. Par rapport avec toute situation ça qui est en Haïti, turbulence politique et stabilité politique, gang qui a ferraillé, terminal pétrolier qui bloqué, gaz pas qu'à circuler dans le pays, ou pas qu'il y a accès à l'eau potable, ou pas qu'il y a accès à courant, ou pas qu'il y a accès à l'hôpital, crise humanitaire, choléra, situation ça yo yo mandé pour nous questionner. Est-ce que très certainement, est-ce que vraiment autorité yo yo préoccupé le problème peuple? Gen bien longtemps, là nous avons vécu en Haïti, époque 2004, 2006, 2010, après tremblement de terre. Nous te connais en Haïti, il y a des zones de non-droit. Par exemple, où connais yote dou, Cité Soleil, zone de non-droit, yote dou, Badelma, zone de non-droit, yote dou, quelques zones de dans l'air métropolitaine, dans quel Port-au-Prince, il y a quelques zones, ces zones rouges, où connais zone ça, zone rouge, ou même où yote un bon réflexe, où yote connais zone ça, si
si voilà n'est pas de bagaille qui arrive parce que yo été classé aux zones rouges. Le ça vous yo était prudent, yo était réactif, yo dit bon pas descendre cité soleil, m'pa pral belé etc etc. Mais jodi a pas gon question de zone de non droit dans pays. Toute aire métropolitaine, toute Port-au-Prince dans ces zones de non droit lié jodi en un moment n'a parlé à là. Longtemps moun Petionville yo était à l'aise, yo était confortable. Moun route frère, moun Belleville, yo te confortable, moun Vivi Michel te confortable, moun La Plaine yo te confortable. Te ka toujours gen volé bœuf, volé cabrit, volé cochon, mais pas de question gang qui a déployé, pas de question gang lieutenant gang etc qui a déployé, qui a terrorisé, qui a rentré kay moun, pas de bagay ça. Population te à l'abri, tout moun te à l'abri du danger, yo te à l'abri de l'insécurité, des violences criminelles. Et bien jodi an ki constat nou fè. Insécurité a monté Petionville. Insécurité a monté dans les hauteurs de Petionville. Grand nèg sa qui te gen gros caillou la boule moun qui t'a enfermé caillou paquet l'argent. Yo pa ka rete obligé à fuir pays. Moun sa ou qui te rete dans Petionville, yo obligé à chercher moyen pour yo fuir pays, pour yo quitter pays. Petionville dans moment li invivable parce que pas gen aucune disposition qui te prend pour gérer point rouge, pour gérer zone de non droit à l'avance pour éviter que tout pays en gangrené. C'est pas kounye a, non pas gagner bonne volonté. C'est pas kounye a, non pas gagner volonté manifestant dedans PNH pour résoudre question insécurité gang. Si dès le départ zone qui était rouge, on t'a décidé bon m'a résoudre problème ça. Pas de question zone rouge dedans pays. Pas de question gang qui a terrorisé population. N'a pas résoudre question zame légale qui a circulé dedans pays. Jodi là, nous pas de niveau insécurité ça, nous pas de niveau violence dedans pays. Question c'est qui ça n'a fait? Nous pas voulons intervention militaire, c'est qui ça autorité a fait? Nous pas voulons pour blanc fouler sol nous, c'est qui ça nous paraît pour nous faire? Nèg yo yo nan poste décisionnel, yo nan poste pour yo prendre décision pour yo résoudre problème pays, yo pas régler en merde. Et nous-mêmes, nous pas exiger pour yo rendre nous compte, nous pas exiger pour yo faire travail yo. Donc yo vinn à l'aise, yo vinn confortable puisque jodi yo a gardé rapport qui sorti dans réseau droit moun, ou a gardé rapport qui sorti dans société civile là. Là yo nou 40 à 60% policiers dans gang de l'institution la police là, à qui sont ka attend nous? A qui soit ka atan nou avec moun ki sensé la pou protéger accès vous, c'est lui même qui fait aller sa gang pou terroriser. A qui soit ka atan nou? Problème yo multiple, problème yo compliqué, situation compliqué. Pendant nous wè Ariel nan moment là, li t'a pris les blancs. Moi même position, c'est pas position pour m'aider Ariel, pour me soutenir Ariel dans décision là. Moi même m'a regarder réalité hein, constat c'est que moun ka vive en Haïti pas ka vive. Moun ka vive en Haïti chaque jour fait face avec insécurité, gang, tentative d'assassinat, assassinat dans pays hein. À un certain moment, faut que situation ça faut que fini. À un certain moment, faut que moun ka vive avec un minimum de sécurité, faut que la paix ka rétabli dans pays hein. Moi même c'est ça. C'est ça m'a cherché pour chaque grand haïtien, c'est ça m'a besoin pour chaque grand haïtien. Si Ariel lui-même des interventions militaires là, il était ouais consolider pouvoir, il était ouais gain plus pouvoir pour empêcher monde manifester. Moi même c'est pas ça, moi même c'est pas comme ça m'té ouais lui parce que droit nous gain pour manifester son droit constitutionnel, pas bon monde qui ca retirer l'en main nous. Et jodi en militant le peuple là ouais piclé, moun yo ouais piclé, pas rien qui ca empêcher manifester, pas rien qui ca empêcher revendiquer droit yo. Donc Ariel trop petit pour ta empêcher population à prendre la rue. Yo ka toujours fait tentative assassinat sur militant, yo ka toujours assassiné militant, yo ka journée jodiant là a chercher censurer liberté la presse, a fait tentative pour assassiner journaliste ou bien assassiner journaliste. Mais en tout état de cause, n'a continué parler, n'a continué inspirer population, n'a continué motiver population pour bataille la continuer. C'est aussi simple que ça, c'est aussi clair que ça. Kounyen aspect géopolitique qui gagne nan position la Chine avec la Russie dans dossier intervention militaire en Haïti, un bon bagay pour nous comprendre. Vu que Haïti li te choisi reconnaître, attendez bien oui, parce que situation son situation qui complexe. Nous gagne la nous gagne République populaire de Chine, ça nous relè la Grande Chine non, et puis nous gagne Chine Taïwan. Ça nous relève petite Chine. Ok, enfin, rebelle ça, prince rebelle ça qui décide lui-même, lui prend indépendance, lui sorti en bas, grande Chine. Qui ça qui gagne? D'un point de vue idéologique, on parle de la grande Chine, on parle de la Chine populaire là. Yon même yon gagne idéologie communiste.
communiste dans lui-même, li pa wè, li pa d'accord avec question pays a pays a fait ingérence dans bagaille l'autre pays, pays a rentré dans dossier l'autre pays, pays a fourré bouche dans parole l'autre pays. Et c'est une des raisons dès le départ nous té wè Chine té proposition dans Conseil de sécurité Nations Unies pour questionner est-ce que vraiment il y a nécessité pour une intervention militaire qui fait en Haïti. Parce que yo même idéologiquement yo pas d'accord avec intervention militaire. Kounye a, comme c'est affaire interne, yo toujours aimé tout bagay qui a fait li régler à l'interne, tout problème au pays, c'est chercher résoudre li à l'interne, faire concertation et faire négociation, faire table ronde, choisir, négocier pour nous joindre une solution avec problème nous gagner. Li gen position pal, li gen et li gen comportement pal vis-à-vis de intervention militaire là. Kounye a gon l'autre bagay nous doit comprendre. Politiquement, la Chine avec Haïti yon pas zami. Mais ça pas empêché que la Chine te fait travail en dedans Conseil de sécurité Nations Unies. Li te dit exactement ça te doit dire non moment te doit dire puisque Haïti fait choix pour collaborer pour reconnaître et Chine Taïwan qui c'est petite la grande Chine alors que grande Chine qui gon ensemble de qui gon ensemble davantage te ka offrir Haïti. Qui ont ensemble d'intérêt, l'ité qu'a offert Haïti, mais Haïti dirigeant yo tellement soucieux, tellement gangouillot, tellement aimé, et titon diri pour yo joindre, c'est diri, c'est mokit, c'est mop, c'est balé pour yo joindre. Yo te choisi reconnaître Chine Taïwan au détriment de la grande Chine. Alors que Chine Taïwan, il y a près de 17 pays qui reconnaissent, et dans 17 pays qui reconnaissent Chine Taïwan, non, c'est Haïti qui est pays. Tenez, mais c'est Haïti qui est pays. Mais je dis, là, imaginez, avenir, politique Haïti, avenir sécuritaire Haïti, li a joué en dedans Conseil de sécurité Nations Unies, li nomme Chine populaire, li nomme la grande Chine. Chine Taïwan pa gen aucun yel bra di dans dossier ça. Et d'ailleurs principe là comment la Chine concevoir principe là, c'est une Chine unie. La Chine unie, pas une question ou bra reconnaître Chine Taïwan après ça bra reconnaître la grande Chine, non pas gen bagaille comme ça. Donc je dis en là, de point de vue politique Chine Taïwan avec la grande Chine yo dos à dos et Haïti rentre dans une bataille qui pas bataille li. Haïti te choisi à chaque intervention nous ouais responsable haïtien yo diplomate haïtien yo ou bien autorité haïtienne yo al faire devant Conseil de sécurité Nations Unies yo toujours prend parti pour Chine Taïwan au détriment de la grande Chine et jodi an la ça retourne dans figu yo. Même le, la Chine ta gen intention pour ta di bon OK et situation Haïti en li compliqué vraiment li défavorable gen moun ka mouri mais par rapport non seulement avec idéologie yo mais par rapport avec turbulence politique qui gen entre Haïti avec la grande Chine yo pa jam fèl parce que n'a pas gardé de point de vue politique Haïti te fait mauvais choix dirigeant haïtien yo te fait mauvais choix. C'est comme si pays Kabaou et chaudier manger a ou virer do bali pour aller prendre assiette manger dans mon voisin. Ou quelle possibilité pour monter un gros chaudier manger, mon préféré avec petit assiette ou aller ca voisin aller prendre petit qui a manger. Donc c'est exactement ça qu'a fait là. C'est exactement ça un paquet président haïtien t'a fait qui a continué aujourd'hui là et il a profité remettre Haïti mon pièce yo. De même pour la Russie, Haïti t'a choisi entre bouche dans question États-Unis devant en paquet le pays yo suivi États-Unis dans question et guerre qui gagne entre la Russie avec Ukraine non et pour Haïti choisi lui-même li dou oh intervention militaire qui gagne en guerre qui gagne entre la Russie avec Ukraine non faut Vladimir Poutine mette de l'eau dans du vin etc. C'est comme si n'a pas rentré dans des dossiers qui pas principale préoccupation nous. Par rapport avec pays ça yo, pas de petit pays, pas de gros pays en termes de diplomatie, etc. Mais très certainement, Haïti n'a pas considéré les gens liés à son petit pays par rapport avec pays ça yo. Son petit pays, c'est vrai au niveau Conseil de sécurité des Nations Unies ou bien au niveau Assemblée générale et Nations Unies. Chaque pays, yo représente yon pays, chaque pays on vote, mais l'on regarde la réalité à terre. Chaque pays, yo gen l'autre problème, chaque pays, yo gen l'autre malheur par yon à gérer. Nan moment Haïti pou kòl, nan moment la Conseil de sécurité Nations Unies, États-Unis, yo pran Ariel tankou an zandolit, yo mete nan siwo miel, nan barik siwo, et puis yo lage Ariel la terre. Ou konnen depi siwo on kote, ou gen konnen ki sa ka privé, ou gen konnen se fourmi pral anvayi Ariel, et bien nan moment la nou met atann nou ke population haïtienne, peuple pral leve, mobilisation pral manche lan nan dewe nan Ariel Henry.
Parce que moun yo exige sécurité. Dans ce moment-là, nous avons un système qui corporatise les haïtiens. Dans quel sens? Imaginez, gaz, ou supposé acheter gaz dans la pompe. Je dis là, gaz qui est disponible, est disponible dans le galon, dans tout coin de rue. Nous prenons comme si de rien n'était. Yo corporatise nous, fait nous accepter ce qui n'est pas de sous moun, fait nous accepter ce qui n'est pas de fait, ce qui n'est pas de jambes fait, c'est lui-même n'accepter. Dans tout pays, l'école c'est l'avenir, génération future. Yo. L'école c'est l'avenir, jeunesse, la petit monde aujourd'hui, grand monde demain. Yo corporatise, yo fait quoi éducation en Haïti, li pa vont merde. Ah mais c'est ça. Bon l'autre bagage, bon l'autre aspect encore, tellement corporatise n bral dou. Jodi an la chiffre pour qui réalité qui gagne dedans pays. Yo fait quoi? Je ou gè quoi pour mettre la banque. Pour mettre l'argent la banque, c'est misère. Pour aller prendre l'argent, c'est misère. Alors que sou pa gè l'argent dedans pays ça, ou pas en merde. Ou besoin l'argent pour fonctionner, mais même l'argent ça tout non fouette pour ou. Li tout non fouette pour ou, moun a bata a moun pour entrer dans banque, moun a bata a moun pour aller prendre l'argent, moun a bata a moun pour sortir dans banque, yo pas fait rien, yo seulement contenté fait nous adapter nous. Chaque situation côté que yo ta supposé bien servir nous, yo fait nous adapter navel comme si c'est principe là, comme si c'est norme. Jodi en la moment arrivé pour nous commencer comme si déshabitué avec système merdique ça. Déshabitué avec système côté que ou pas qu'à manger, nous adapter. Nous pas qu'à l'école, nous adapter. Bandi a théorisé, nous adapter. Kounya nous tellement adapter, nous te mettons dans tête nous. Nèg yo te fait nous croire que insécurité en celle nous prend la rue, kidnapping en celle nous prend la rue et bon m'pas sorti dans la rue hein. Bon voyons mon pito. Eh bien jodi en même dans la cao ba l'abri. Nèg examen débarqué la caillou, yo cassé série la caillou, yo rentré la caillou abusé petit ou abusé abusé madame ou devant ou pas qu'a dit on merde et puis yo kidnappé yo avec yo. Nous adapter avec nous adapter avec tout bagage ça yo. Et bien jodi en là moment arrivé pour nous dire non, nous qui on premier ministre dans ton pays pas magie ou bien pour un truit ou à l'inversalité kayen, li la nan te payen toujours, eh bien, s'il pas ka assume responsabilité, qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Que moun ki ka assume responsabilité, que nous fait choix de yo. Nan moment là, yo pa jam parler de élection. Est-ce que temps propice là pour nous parler de élection non plus? Est-ce que temps est favorable là pour nous parler de élection? Comment on pral mette campé en CEP alors que au niveau politique concertation elle va pas faire, au niveau politique dialogue elle va pas faire? Ouais Moïse Jean-Charles n'en boit pas là, il vient avec au KTPS Conseil de transition peuple souverain qui contesté. Tout le monde a contesté, pas tout le monde. Tout le monde mette dans tête c'est eux-mêmes qui ont solution magique pour sauver Haïti. Mais m'a dit nous ça, si au final nous pas choisi mettre tête nous ensemble pour nous venir avec un bagage qui ca utile pays, utile société pour nous retirer moun yo nan merdio là. Pays qu'on disparaît, peut-être haïtien mettre dans tête pays pas qu'on disparaît, pays qu'on disparaît. L'autre pays qui continuellement au poids de violence. L'autre pays côté que chaque jour c'est violence criminelle. Ou gros pays, nous pas connait nous en guerre mais gon guerre civile en dedans pays qui prolonger société a. Ti fi ak femme pas épargné, c'est kadeja qui a fait sou yo, c'est viol collectif qui a fait sou yo. Pays ça son pays qui en voie de disparition. Ou gros pays côté que l'école pas fonctionnelle, son pays qui en voie de disparition. C'est pas disparaître comme si pays a effacé de surface terre là non. On paye côté que tout l'autre pays peut rentrer en relation d'affaires avec vous. On paye côté que tout l'autre pays qui a une relation diplomatique avant, vous, yo prend ressortissant yo, yo prend personnel diplomatique yo, yo aller son pays qui a disparaît lié, pays qu'on disparaît. Même j'entends des moun qu'on disparaît, leur pays disparaît. Et au final qui est ce qui perdant? Au final c'est population qui perdant. Nèg sa yo pa gon merde a régler en Haïti là. Bien yo, moi m'a regardé en photo aux amis vous voyez ben moi la famille Beauplan. M'a regardé, l'a regardé vous, tout moun yo semblé qui côté yo et tout Canada. Tout Canada. Ah bon, et puis nous même nous là, nous pas nécessité pour nous râler les oreilles nèg sa yo, nous pas nécessité pour nous défendre nous contre nèg sa yo. Moi même m'a défendre moi jusqu'à ce que m'pas capable encore. Parce que tout pays côté mon a vivre bien, c'est moun yo qui fait sacrifice pour yo vivre bien. Tout pays côté mon a vivre bien,
C'est Mounio qui mettait tête ensemble, yo dit m'a fait choix Intel pour Intel diriger pays. Si Intel pas capable résultat, m'a retiré Intel, m'a choisi l'autre monde qui capable résultat pour pays marché. Nous-mêmes nous décider faire pays mais nous pas parler pour une bataille pour pays. Ouais, on dedans de pays ça, ouais en Haïti. Haïtien puis fort dans détruit moun. Que on mettait tête ensemble pour construire un bagaille. Haïtien puis fort dans aideuse. Que ba j'arrête avec un moun. Qui paraît pour défendre, qui paraît pour aider on l'autre monde avancer. En plus là ici puis fond dans ça, puis fond dans détruit caractère monde, dans détruit personnalité monde, dans faire un jazz, dans faire coute langue qui pas petit leur merde pour passer pour plus bon, moi pas besoin passer pour plus bon, moi connais bon déjà. Bon qui l'intérêt m'gagner pour mal faire coute langue, pour mal faire tripotaille, pour mal faire un jazz, m'a faire deux, dit ça me pas ouais, dit ça pas vérité son l'autre monde jamais. Jodi an la fòk nou konnen bataille k'ap fèt pou Ayiti, fòk nou kòmanse mete ego nou de kote, mete mòvèz mani yo de kote. Wè tèt nou, wè peyi nou, wè nou k'ap viv nan peyi nou. Se sa ki important, se sa ki primordial nan jodi an. En tout cas, bataille peyi an son bataille ki pa kopare pou l'vini. Situation peyi an son situation, se pa demen n'ap jwenn solution ak problèm yo. Au niveau diplomatique à l'échelle internationale, nous qui bataille qu'a fait pour garder comment yote ka joindre même yon troupe, même yon pays pareil pour ta vinn di la belle Haïti résout bon l'insécurité là. Au niveau régional, est-ce que nous ka espérer pays qui fait partie de l'organisation état américain OEA yo pral mettre tête ensemble pour yo pral di yo pral voyer force militaire en Haïti? Bon ça m'a même besoin parler de li, m'pa kwè nan li. Et nous gen pays voisins nous République Dominicaine, bon yote gen ta proposition, yote di par rapport avec passé historique, yo pas ta aussi fréquent pour ta dire pral vinn voyer troupe en Haïti, hein. M'pa kwè Abinader ta fon bay comme ça. Et nous là n'ap suivre actualité, n'ap rete connecté avec situation et pour nous informer. Nan commencement émission, moi te dire que bon communiqué que PNH mette dehors par rapport avec situation insécurité qui gagne dedans pays, qui s'allier yo profiter en leur franc encore annoncer population. O moun ki konnen, li se propriété machine, moto, kay, yo te kidnappo avec machine ou bien yo te volé moto, bandi mete ou dehors, yo pran kayou, presse al fè plainte nan commissariat ki pi pro la. Ou bien ale nan DCPJ, sou pa an Haïti ou à l'étranger, saisi un cabinet d'avocat, mette sous dossier, fè suivi yo. Parce que automatiquement, bandi gang ta utilise machine ou bien kayou pour faire séquestration. Yo ta utilise machine ou pou fè kidnapping ou même tout, même lò ba en Haïti. Sou en Haïti, ou ap tombe en bas sanction la loi. Parce que loi 20 mars 2005, sou enlèvement, séquestration, demande de rançon, et bien tout le monde sa ou de pou pat fè et rapport de police, ou pat dénonce, ou pat pote plainte, ou ap tombe en bas sanction la loi. Yo ap arrêté ou, la loi servi kontou ou, ou même titre que n'importe bandit, ou même titre que n'importe chef gang. Il me songe, m'te gen moun ki te participe nan émission, nan te rete kwa de bouquet, la police te font intervention, après yo te fin touye chef gang collègue, te krasé business, etc. Parce que yo te di business, c'est business collègue, kala te kay collègue bité. Donc pour bagay sa pa rive ou même ki konnen bandi volé machine ou bandi volé moto, bandi prend zam ou bandi prend kayou, presse al fè plainte, al fon rapport de police nan commissariat ki pi pou alors bien aller nan DCPJ pour pas tomber en bas sanction la loi. Donc c'est un plaisir pour me partager information ça avec vous. Donc rete connecté avec plateforme là, rete connecté pour reste programmation, rendez-vous en cassé à 7h boule avec Foucault, rete connecté pour pas rater. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, je dis tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour vivre vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix. On y est.